Bonjour à vous toutes, à vous tous, c'est Muriel. Nous sommes le mercredi 27 mars. On va faire une petite voyance à l'oracle G. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous avez passé une bonne nuit. Et si c'est votre anniversaire, eh bien écoutez, très bon anniversaire à vous. Très bon anniversaire à vous. Profitez bien. Je ne sais pas pourquoi je viens de dire ça. On a dû me le dire là-haut. Allez, on regarde à l'oracle G. Vous avez vu tout ce qui se passe en France en ce moment? C'est une horreur, une horreur, une horreur. Tous ces trucs, ces crimes, ces agressivités, ces agressions, c'est oh mais c'est pas possible, c'est pas possible. Les profs, là il y a un prof, un directeur je crois qui a donné sa démission parce qu'il a peur. Mais où va-t-on? Mais où va-t-on? Mais où va-t-on? Plus le reste avec Poupou, Luc de la Reine, l'Israël, c'est voilà. Alors aujourd'hui bon, on va regarder quand même comme ça sans poser de questions. Qu'est-ce qu'il nous dit lui? Oula, oula, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle G lui? Qu'est-ce que tu nous dis, Coco, l'oracle G? Qu'est-ce que tu nous dis, mon Coco? Allez. On regarde, qu'est-ce qu'il nous dit pour la France, là, à venir? Qu'est-ce qu'il nous dit? La France à venir. Dans quelques lunes, on nous annonce quelque chose. C'est peut-être l'éclipse qu'on nous annonce du 8. Ah voilà, on nous dit de se tenir la main, de se serrer les coudes et que tout va aller bien, mais il faut rester unis, il faut rester unis, unis, unis. Surtout dans la semaine sainte, restez unis. Alors, qu'est-ce qu'il nous annonce, l'oracle G? L'oracle G, qu'est-ce que tu nous annonces pour la semaine, on va dire, allez, qu'est-ce qu'il nous voit, lui? On a de la grêle qui tombe, alors on est en fin de matinée, il est presque midi, j'ai de la grêle qui tombe et j'ai ma lumière de salle à manger d'allumée. Non, non, mais oui, oui, on a de la grêle, là, on a un temps, mon Dieu Seigneur. Il y a un homme ici, on nous l'annonce cet été. Ça, c'est les deux cœurs, la séparation, normalement. On nous annonce quelque chose cet été. Un homme en centre de jeu. Même au printemps, c'est maintenant, si vous voulez. Vous avez le printemps et l'été, donc c'est maintenant. Dans la période chaude, on nous annonce quelque chose pour un homme qui aurait des problèmes ou de cœur ou de sentiments. On recouvre. Allez, qu'est-ce que nous annonce l'oracle G? Alors... quelqu'un qui est à l'étranger. Alors, ça peut être Manu, je ne sais pas où il est, on me l'a dit ce matin, il est dans la forêt amazonienne, je crois. Où il est encore barré, lui. Dès qu'il y a des problèmes, où il va dans le bunker, où il va se promener. Non, il ne reste pas en France, vous avez remarqué. On nous annonce quelque chose dans quelques lunes, pour un homme ici. Ça monte, quelque chose qui monte, qui arrive, c'est quelque chose qui est pas positif pour moi, hein, qui monte pour lui, hein. Pour lui, ça doit être Manu. On nous annonce quelque chose lors d'un départ. Vous avez le diable qui frappe cet été ou au printemps. Donc, c'est maintenant. Il y a le diable qui frappe ici, qui frappe quelque chose ou quelqu'un. Le serpent, c'est pas facile. Beaucoup d'ennemis. Cet homme, il s'entend. Oui, oui, oui. Alors là, vous allez rire. Hein, ça pourrait être Manu, ça, qui a des problèmes de cœur, qui ne sait plus où il en est. Est-ce qu'il aime les hommes? Est-ce qu'il aime les femmes? Il est entre les deux, lui. Il ne sait plus. Il sait plus, bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il sait plus. Hein. Là, il est en déplacement, c'est Manu, ça. Ça va pas trop pour lui cet été, on nous annonce des choses ici. Il y a quelque chose qui augmente, mais je ne sais pas ce que c'est. On va regarder. Alors, qu'est-ce que nous annonce la France? En France, qu'est-ce que nous annonce l'oracle G? En France, qu'est-ce que nous annonce? Je trie bien les cartes, hein. Je remue bien, hein, même s'ils sont... installé sur ma table. Le problème peut-être avec Israël aussi qui arrive ici. On voit des problèmes à l'étranger avec Israël ici où Manu serait mêlé ici. Peut-être qu'il va aller les voir. Hein. Je vais la recouvrir cette carte. Manu et l'Israël. Qu'est-ce qu'on voit? Il faudrait qu'il fasse très attention. Alors ça peut être autre chose que l'Israël. Ah, vous ne voyez pas les cartes en plus. Je la redescends. Ça peut être autre chose, c'est une étoile. Moi j'ai dit l'Israël parce que je le sens comme ça, dans ma sensibilité, je le sens comme ça. Ça peut être aussi une protection, quelque chose, ou un manque de protection, ou l'étoile diabolique, ou bon. On nous annonce, Manu, au loin, voyage mauvais, si vous voulez, parce qu'ici vous avez la mort, vous avez la tombe. Toujours, hein, ça ressort toujours. J'ai une de mes bonnes clientes ce matin qui m'envoyait un jeu de cartes qu'elle a tiré hier, où elle photographiait le jeu, elle me disait, mais... oh là là, on voit un homme de comme vous direz, Manu, avec la mort dessus, mais c'est quoi ça? Je dis, ben normalement, on le voit, moi je le vois, mais ça n'arrive pas, mais je le vois. Je ne souhaite pas la mort à Manu, moi je souhaiterais qu'il parte. Voilà, il donne sa démission, il s'en va, et puis allez hop. Quelques lunes, problème dans les économies financières françaises, gros problème d'économie, gros problème financier français. C'est une catastrophe, la France.
Une catastrophe. Et même s'ils essaient de relever la barre, si vous voulez, avec l'écureuil, ils essaient de relever la barre, c'est une catastrophe. La France, on va vers la Grèce, on va vers une catastrophe. Alors, toujours des problèmes avec les enfants dans les écoles, faites attention, ça continue encore. Ils n'arrivent plus à s'arrêter, ça. Ils n'arrivent plus à l'arrêter, malgré les beaucoup de policiers qui mettent et tout ça. Ils n'arrivent plus, c'est que ça. C'est que ça, que des problèmes avec les enfants, des problèmes avec l'école, des. C'est fou, ça ne s'arrête pas, ça. Enfin, Manu, il devrait faire attention lors d'un voyage. Hein. S'il m'écoute, hein, on ne sait jamais. Et des gros problèmes, on le revoit ici, vous avez le serpent sur l'argent. Gros problème d'argent. Avril, mai, juin, on a du mal à se relever. On a une dette énorme, une dette énorme. Il faudrait qu'il dévalue l'euro, en gros. Il faudrait faire comme avait fait le général de Gaulle, dévaluer le franc. Il faudrait dévaluer l'euro. Parce que là, on va vers. Je pense que ça se fera, ça. Alors, problème pour eux, bah, ça c'est bizarre ça. Manu a des choix à faire. Hein. Il sait plus s'il est un homme ou une femme. Il sait plus s'il aime les hommes ou s'il aime les femmes, plutôt. Oh là là, je me trompe en plus. Il sait plus sur qui se tourner, lui, sentimentalement. Et vous avez ici, bah, ça peut être ce qui se passe avec, pour moi, avec la Dame de France, avec Madame Brigitte, hein, bah, parce que pour moi, ça c'est des liftings. C'est des hôpitaux, des piqûres, des machins pour des remises en forme, quelque chose. Mais ça touche Bribri, ça touche pas Manu. Mais Manu, lui, il sait plus. Il sait plus s'il aime les hommes et les femmes. Là, il est en doute. Il est en doute. Bon, après tout, hein, il peut être bi aussi. Hein, il a le droit, hein, puisqu'il veut. Donc, allez, je fais un quatrième. Je fais une petite quatrième. Qu'est-ce qu'on peut voir en France? Alors, beaucoup de problèmes climatiques, ça je le vois. Le mois d'avril aussi, ça va être de l'eau encore, de l'eau, de l'eau. Tremblement de terre aussi, un peu partout. D'abord, vous avez vu en Charente-Maritime, c'est tous les jours qu'on en a, nous. Tous les jours, il y a 2,2 encore hier à La Rochelle. C'est tous les jours, c'est des petits, mais tous les jours. Alors, c'est pas normal ça. Ils appellent ça des essaims, comme les essaims d'abeilles, hein, essaims sismiques. Depuis qu'on a eu ce tremblement de terre à côté de chez moi, là, en juin, c'est tous les jours qu'on a des tremblements de terre, 1,1, 1,2, 2,4, 2,3, c'est pas gros, mais c'est tous les jours, ça c'est pas bon du tout. En plaisantant, je disais qu'il allait peut-être sortir un volcan de la Charente-Maritime. Non, je vois pas de volcan, mais c'est vrai qu'on va en avoir un gros un de ces jours, il faut attendre, mais il y en aura un gros. On nous demande de prier pour les enfants, on nous demande de faire des prières pour tous ceux qui sont malades, que ce soit les enfants ou les adultes, ou les vieillards, il faut prier. En ce moment, il y a beaucoup de misère dans le monde, beaucoup de choses, beaucoup de gens qui souffrent, beaucoup de cancers, des turbo-cancers. C'est à l'appel, prier pour les gens malades, prier, prier. Surtout qu'on est en semaine sainte, prier pour tout ça, prier pour eux, prier pour eux, prier pour eux. Des négociations, bah, monsieur Le, plus loin, mais, plus loin, re, plus loin, mer, hein, essaie de faire ce qu'il peut pour essayer d'arrêter cette catastrophe financière qui est en France, cet échec énorme, 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 ce trou, ce gouffre énorme. Il essaie, mais il n'y arrivera pas, il n'y arrivera pas. Il essaie pourtant, il essaie pourtant. Et voyez, ah là là, ouh là là, ouh là là. Alors voyez, vous avez Manu qui essaie, c'est un homme aussi, hein. Manu qui est en représentation de quelque chose, il n'est pas là, ou alors il est en l'extérieur, il y a un avion, il y a un départ, il y a un bateau plutôt, il y a des vacances, il y a quelque chose. Peut-être en Israël, il y a la mort, il y a quelque chose d'important là-bas qui se passe, ou alors c'est pour lui. Ou alors c'est pour lui, il y a quelque chose pendant un voyage qui se passe. Retenez bien ça, il y a quelque chose pour Manu lors d'un voyage qui se passe. Quelque chose qui. Et puis, il y a quand même quelqu'un de haut placé, alors je ne sais pas qui c'est, mais il y a quelqu'un de haut placé qui décède. Quelqu'un de haut placé dans le gouvernement qui monte. En France ou en dehors de France. Ça peut être un président qui décède, mais ça peut être en dehors de France. Bon, vous allez penser tous à Joël Bidet, mais ça peut être quelqu'un de plus jeune, hein. On va être prévenu. Ou un président ou un ministre. Il y a quelqu'un qui décède. Mais ça peut être en dehors de France. Mais ça peut être aussi en France. Retenez bien ça. Problème économique français qui sera au plus bas cet hiver. Hiver 2024 qui sera au plus bas cet hiver avec le serpent toujours. On nous fait avaler des couleuvres aussi. Ouh là là, c'est pas bon ça pour Manu et Bribri. Vous avez l'araignée qui est une des pires des cartes. Il y a beaucoup de choses qui vont se savoir sur Jean-Mimi, par exemple. Vous voyez des nouvelles qui arrivent. Sur des chirurgies esthétiques qui ont été faites, sur des trucs qui ont été faits, sur lui, qui ne sait plus où il en est, est-ce que c'est, il aime les femmes, est-ce qu'il aime les hommes, il ne sait plus où il en est.
Tout ça, ça va être découvert ici avec l'araignée qui est très 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 mauvaise pour lui. Mais écoutez, c'est pas mal ce qu'on voit là. Enfin, c'est pas mal. Nous, ça va, nous, ça va, nous, ça va. Non, nous, ça va. Nous, ça va. Je vous fais des grosses bises à tous. Je vous retrouve demain, jeudi saint, le 28 mars. Non, mais c'est vrai qu'il faut prier, même si on est en semaine sainte ou pas en semaine sainte. Faut prier pour toutes ces maladies qui, en ce moment, il y a beaucoup de gens malades. Beaucoup, 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 beaucoup trop. Beaucoup trop. Et les vax n'ont rien arrangé. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup trop, beaucoup trop. On prie pour les gens malades, on prie pour tout le monde. D'ailleurs, comme ça, c'est bien. Et puis, vous allez voir, ça peut créer un gros agrégore. Agrégore, je ne sais même plus si c'est agrégore. Oui, c'est agrégore. Oui. Et ça peut créer des ondes très positives qui peuvent aider tout le monde. Je vous fais des grosses bises. Je vous retrouve demain. Demain, le jeudi 28. En attendant, passez une belle journée. Je vous souhaite beaucoup de soleil. Nous, on a la grêle, c'est moche, quoi. Voilà. Belle journée à vous, des gros bisous, merci à tous. Vous pouvez liker ma page, la partager ou vous abonner. Je vous dis à demain, bisous, bisous.